Pour réaliser des interventions en lien avec la traçabilité chez AgriTraçabilité Québec, plusieurs modèles de bâtons de lecture RFID nous ont été proposés. Nous avons ici un éventail des trois principaux modèles qui sont disponibles actuellement, qui ont été utilisés par les producteurs et sont toujours utilisés d'ailleurs par les producteurs ici au Québec. Les avantages liés à l'utilisation de bâtons électroniques RFID sont nombreux. Les premiers sont l'économie de temps associée à la lecture des boucles, l'élimination des risques d'erreur, la possibilité d'utiliser les outils en lien avec différents logiciels et aussi l'interface SimpliTrace Express d'AgriTraçabilité Québec. L'application SimpliTrace Express, disponible gratuitement chez ATQ, vous permet de télécharger les boucles enregistrées dans vos bâtons de lecture RFID. Cette application vous permettra par la suite, de façon totalement automatisée, d'effectuer vos rapports de déplacement, vos déclarations de naissance en lien avec la loi sur la traçabilité. Quatre modèles de bâtons de lecture RFID sont actuellement compatibles avec l'application SimpliTrace Express. On peut commencer tout de suite avec le fameux Allflex RS320, un bâton qui date de plusieurs années. Il est aussi maintenant remplacé par le nouveau modèle, le RS420, un peu plus performant et doté des nouvelles fonctionnalités au niveau de son écran d'affichage. Un modèle populaire qui est compatible et qui se doit de l'être, compte tenu que le 6-Can est probablement le modèle de bâton ou la marque de bâton la plus utilisée actuellement au Québec. Celui-ci est aussi compatible actuellement avec l'application. Et on va terminer avec le Gallagher HR3 qui lui aussi a cette fonctionnalité. Je dois vous mentionner que ce modèle de bâton est actuellement n'est plus construit par la compagnie Gallagher. Il a été remplacé par un modèle plus performant. Un point important avec les bâtons de lecture électronique sont leur flexibilité d'utilisation. Ils peuvent non seulement communiquer avec l'application SimpliTrace Express, mais aussi avec une multitude d'indicateurs de balance électronique. D'autres modèles de bâtons de lecture électronique sont aussi disponibles sur le marché, mais ne sont cependant pas encore compatibles avec l'application SimpliTrace Express. Entre autres, ce petit modèle ici, le Allflex LPR, un petit nouveau qui est relativement simple à utiliser, de dernière technologie, vous permettrait de communiquer avec beaucoup de logiciels et éventuellement, on le souhaite, avec l'application comme telle. La compagnie TrueTest et la compagnie Gallagher possèdent des modèles aussi plus élaborés, entre autres chez TrueTest, le XRS2 et le XRS permettent de capter des données de régie au niveau du troupeau. Même chose chez Gallagher avec leur HR4 et leur HR5 qui permettent de faire une saisie encore là élaborée au niveau des données de troupeau. Toutes ces données-là peuvent ensuite être téléchargées en fichier Excel ou par d'autres applications pour éventuellement faire de la traçabilité. L'option est en quelque sorte un mini-ordinateur portatif muni d'une antenne de lecture RFID. Il peut prendre en charge plusieurs applications. Ici au Québec, on en connaît deux particulièrement, soit le Bergère mobile et le carnet électronique Genovis. La grande différence par rapport au bâton de lecture, un peu comme celui-ci, c'est que l'option peut capter toutes les informations, toutes les données d'une bergerie dans le fond, pour pouvoir par la suite transférer le tout dans différents logiciels. Alors que le bâton de lecture, lui, sa fonctionnalité est de scanner les tags et ça se limite à transférer l'information en lien avec le tag. Donc, beaucoup plus limité, il doit fonctionner aussi avec un autre système, soit une balance, soit un ordinateur portatif. Avant d'acquérir un bâton de lecture RFID, il serait important de bien évaluer votre besoin. Si vous n'aurez pas le même appareil si vous travaillez avec une balance électronique ou si vous utilisez seulement l'application SimpliTrace Express. Donc, vous devez envisager de travailler avec les nouveaux outils potentiels qui seront disponibles, soit des applications pour téléphone intelligent, tablette électronique, indicateurs de balance électronique et aussi valider les modes de communication. C'est important que vos bâtons soient munis du mode Bluetooth et éventuellement, certains bâtons seront aussi munis du mode Wi-Fi. Donc, si vous achetez maintenant, pensez pour le futur, mais pensez sérieusement à ces nouvelles technologies qui feront probablement partie de notre vie très bientôt.
visionner notre prochaine capsule vidéo qui portera sur l'option Walkabout Pro munie du carnet électronique Genovis.